Bonjour, Alain. Alors, la prison. Super, merci beaucoup. Vous venez mettre de la drogue dans mes poches? Oui, j'y avais pensé. Juste après avoir payé le prix fort pour mon soda. Et puis j'ai renoncé. Je porte l'affaire devant le juge. Eh bien, nous nous reverrons au tribunal. Prudence sur la route. Quand on vous rendra la voiture. Mini-jupe décolletée, fille en robe verte. Dites-moi, il y a des caméras partout dans votre magasin? Ah oui, il y en a partout. À la pharmacie, au distributeur, même dans les toits. Oui, enfin, il y en a partout. Et sur le parking, il y en a une? Hop là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fille penchée sous sa voiture. Pardon. Voilà, je la vois, stop, c'est notre voiture là. C'est lui qui a raison. Elle lui a coupé la route. Ma mère a tort. On a pensé que le mieux, c'était que tu la voies d'abord. Je ne vous dirai pas que j'en suis ravi, mais vous avez bien fait. Quelqu'un doit la lui montrer. Pas moi! Papa! D'accord, mais il ne faut pas la brusquer. Il faut y aller en douceur, choisir le bon moment. Il s'agit de quelque chose d'extrêmement délicat. Al! Ah, vite, 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 vite! Je jurerais que ce flic n'a pas arrêté de me suivre tout le long du chemin. Bon, tu ne crois pas que tu exagères. Ce flic ne te suit pas, il a autre chose à faire. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Mes supérieurs m'ont informé que vous vouliez voir mon dossier, ce qui, bien sûr, est votre droit. C'est pour ça que je suis là, pour vous le remettre moi-même. Jolie maison. Oh, vous essayez de faire pression sur moi? Tout ce que j'ai dit, c'est jolie maison. D'abord, vous me suivez, ensuite vous proférez des menaces à mot couvert. Vous perdez votre temps, ça ne marche pas avec moi. Bonne soirée, madame. Vous allez vous en mordre les doigts. Vous entendez? Vous allez vous en mordre les doigts. Ni le temps, ni l'argent ne compte, peu importe, vous entendez? Je vais gagner parce que c'est moi qui ai raison. Il faut que tu vois cette cassette. Chérie, je suis désolé que tu aies eu à supporter ça. Mais il le fallait avant que les choses n'aillent trop loin. C'est faux. Quoi? Il n'y avait pas de voiture. Papa? Vous avez entendu, votre mère a dit... Il n'y avait... pas de... Oh, c'est pas vrai! Combien de fois faudra-t-il vous dire de fermer la porte du frigo? C'est pas nous, c'est toi. Ah bon, c'est possible. Elle est comme ça depuis une semaine. On dirait qu'elle n'a plus de volonté. C'est génial. Il doit 200. Loïs est pas là, elle est déjà partie. Greg? Alors là, vous n'allez pas en croire vos yeux. Regardez. Avec le gérant du magasin d'en face, on a passé un accord qui consiste à s'échanger les vidéos de surveillance pour des raisons de sécurité. Jupe courte par grand vent. Et ça, c'est un code. Quoi qu'il en soit, une de leurs caméras de surveillance a filmé Loïs sous un autre angle, juste avant la contravention. Hein? Vous avez vu? Ah, c'est Loïs qui a raison depuis le début. C'est formidable, cette vidéo est là pour le dire, c'est génial. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Écoutez-moi très attentivement. Ne parlez jamais de cette vidéo à Loïs. Jamais. Pourquoi? Jamais. C'est clair.